Isabelle pour Il était une fois. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble La souris de ville et la souris des champs. Cette fable a été inspirée par la fable de Jean de La Fontaine qui s'appelait Le rat de ville et le rat des champs, qui lui-même s'était inspiré d'une fable d'Ésope. Ça fait très très longtemps. Jean de La Fontaine l'a écrit en 1668. Alors nous allons lire celle-ci ensemble. Tu es prêt? On y va! Il était une fois une souris des champs nommée Marcel. Elle habitait dans une jolie petite maison de campagne située en bordure d'un paisible pré. Elle vivait dans le calme et la simplicité et prenait plaisir à la routine. Chaque jour, elle effectuait ses tâches quotidiennes et rendait visite à ses voisins. Eva, la cousine de Marcel, habitait dans une grande ville des environs. Elle adorait les joies de la vie urbaine et croyait qu'il n'y avait pas d'endroit plus excitant au monde. Un jour, Marcel écrivit une lettre à Eva pour lui proposer de venir lui rendre visite à la campagne. Cela faisait longtemps que les deux souris ne s'étaient pas vues, et il crut qu'il était temps pour elle de reprendre contact. Eva fut enchantée de recevoir la lettre de Marcel. Leur famille se rendait souvent visite quand ils étaient plus jeunes, mais les cousins s'étaient perdus de vue depuis longtemps. Elle se hâta de répondre à Marcel pour lui confirmer sa venue. Puis, elle prépara son sac, enfila l'une de ses plus belles tenues et se mit en route pour la campagne. Pendant ce temps, Marcel prépara sa maison pour l'arrivée de son invité. Il lava les planchers, il fit du rangement. Il mit son meilleur fromage de côté et alla cueillir les baies les plus savoureuses du pré. Le jour où Eva devait arriver, il faisait un temps radieux. Marcel décida donc d'organiser un pique-nique dans la cour pour qu'ils puissent tous les deux profiter du soleil et du grand air de la campagne. Il plaça le fromage et les baies sur un plateau qu'il déposa ensuite sur une couverture. Ça fera tellement plaisir à Eva, pensa Marcel. Ce dernier n'aurait pu imaginer une meilleure façon de passer la journée. Il faisait si beau qu'il décida d'aller s'allonger sur la couverture en attendant qu'Eva arrive. Mais avant, il colla une note sur sa porte d'entrée sur laquelle il était écrit. « Bienvenue, Eva. Je t'attends dans le jardin. » Dès son arrivée, Eva lut le mot et alla rejoindre Marcel. « Marcel, je suis si heureuse de te voir, » dit-elle en enlaçant son cousin. « Moi aussi, » répondit Marcel en souriant. « Ce voyage doit avoir creusé l'appétit. Je t'en prie, assieds-toi et sers-toi. » Le ventre d'Eva se mit à gargouiller. Elle avait effectivement très faim. Elle regarda la couverture, ainsi que le plateau de nourriture, et remarqua qu'il n'y avait ni table ni chaise. Le plateau ne contenait que du fromage et quelques baies. Était-ce tout ce que Marcel avait à lui offrir? Eva craignait de s'asseoir et de salir sa robe. Mais elle ne voulait pas vexer son cousin. Eva s'installa avec précaution de façon à ne pas abîmer sa main, puis mangea le fromage et les baies avec son cousin. Tu sais, Marcel, on trouve de très bonnes choses en ville. Des aliments que tu n'as probablement jamais vus de ta vie, comme des gâteaux, des friandises et des fruits exotiques de partout dans le monde, dit Eva. Marcel écarquilla les yeux. Oh, tout ça semble délicieux, dit-il. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi, lui proposa Eva. Tu verrais ce qu'est la vraie vie. Marcel adorait sa maison de campagne, mais la ville l'intriguait. Il n'y avait encore jamais mis les pieds. Une petite visite ne me ferait pas de mal, pensa-t-il. Et en plus, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblait la vie urbaine.
D'accord, Eva, dit Marcel. Allons-y. Eva fut ravie d'entendre la nouvelle. Elle était plus excitée que jamais. Marcel allait adorer son escapade en ville. Elle en était certaine. Ils terminèrent leur repas et se mirent en route. Marcel pouvait entendre la rumeur de la ville au loin. Au fur et à mesure que les deux souris s'en approchaient, le bruit devenait de plus en plus assourdissant. La plupart de ces sons étaient nouveaux pour Marcel. « Suis-moi! Suis-moi! » cria Eva en s'engageant sur le trottoir d'une rue achalandée. Marcel la suivit de près. Il y avait tant de choses à regarder qu'il en avait le tournis. Soudain, une voiture freina brusquement et donna un coup de klaxon. Marcel laissa échapper un couinement. « Oh, ne t'en fais pas, lui dit Eva, ce n'est qu'une voiture. Si tu t'en tiens loin, tout ira bien. » Marcel sourit timidement, mais il n'était pas rassuré du tout. Ils se promenèrent dans les rues et les ruelles, puis Eva se glissa soudainement par l'ouverture étroite d'un édifice énorme. C'était la plus grande maison que Marcel n'avait jamais vue. « Viens par ici, c'est l'heure de manger !» annonça Eva. Marcel suivit sa cousine jusqu'à la cuisine. Tout était démesuré. « Ça fait quelques mois que j'habite ici, » expliqua Eva. « Ils ont la meilleure nourriture en ville, crois-moi. Nous n'irons pas au lit le ventre vide. » Les deux souris entrèrent dans la pièce. Marcel n'en croyait pas ses yeux. Devant lui s'étalait un vrai festin. Il y avait un énorme poulet, une assiette de fromage et des plats qui s'étendaient à perte de vue sur la table. « Sers-toi !» déclara Eva en sautant sur le dessus d'une tarte aux fruits. « C'est délicieux !» s'exclama Marcel en introduisant une olive dans sa bouche. « Je n'ai jamais rien goûté de tel dans ma vie. » Soudain, les souris entendirent un aboiement, puis un autre, suivi par un bruit de pas précipité. Marcel arrêta aussitôt de mastiquer, se dressa sur ses pattes arrière et huma l'air. Eva ne perdit pas une seconde. « Sauvons-nous !» s'écria-t-elle en se précipitant vers la petite ouverture par laquelle il était entré. Pris d'effroi, Marcel suivit Eva. Le bruit se rapprochait de plus en plus. Puis, deux chiens pénétrèrent dans la cuisine et se mirent à flairer le sol et la table. Eva et Marcel se glossirent l'un contre l'autre. L'un des chiens s'approcha du trou et inséra son museau à l'intérieur en reniflant comme un fou. « Suis-moi !» chuchota Eva à Marcel. Dès qu'ils furent enfin en sécurité, Eva éclata de rire. « Il s'en est fallu peu !» s'esclaffa-t-elle. « Eva, la vie en ville est vraiment excitante, dit Marcel, mais je crois que je vais rentrer à la maison. Je doute que cet endroit soit fait pour moi. Une petite souris des champs comme moi, ça n'a pas sa place en ville. » « Je comprends, » répondit Eva, « rien ne m'empêche de te rendre visite à la campagne de temps en temps à autre, n'est-ce pas? Tu seras toujours la bienvenue, Eva, » dit Marcel. « Tu peux venir chez moi quand tu veux. » Sur ce, Eva conduisit son cousin en périphérie de la ville, puis il poursuivit sa route sur. Le lendemain matin, Marcel se réveilla dans son environnement calme et paisible. Rien n'égalait la vie à la campagne. Voilà!